Salam alaikum, moi c'est Mambamar Diagne, je suis le chef de bureau des recettes au niveau de la commune de Wokam. C'est un bureau qui se charge de la mobilisation et du recouvrement des taxes locales. On travaille corollairement avec un budget qui est supervisé par le DAGF donc, et le secrétaire municipal, en collaboration avec le trésor public et les impôts et domaines concernant les taxes indirectes. Et tout ce qui est taxe directe, c'est taxe directe et locale, on se charge de la mobilisation et de la collecte de toutes ces ressources. Parlant de mobilisation et d'organisation, donc comme on a un panoplie de taxes, on s'est organisé en pôle. Il y a un pôle spécifiquement chargé de la mobilisation des taxes sur la publicité. Ça veut dire que les enseignes, les panneaux publicitaires, tout ce qui est objet taxable sur le territoire communal, on a un pôle qui est chargé de ça. Sinon, il y a un autre pôle qui se charge des occupations de voies publiques et des locations sur la voie publique. Donc, sur les édifices fixes, en ODP, occupation du domaine public, et les occupations précaires et souvent volatiles, donc c'est la location temporaire sur la voie publique. Ça aussi, on a un pôle spécifiquement chargé de ça. Il y a un autre pôle qui se charge des échoppes et cantines. Donc, comme à Wokam, on a deux grands marchés, le marché Wokam et le marché Sereng-Sereng. On a un pôle qui se charge du recouvrement de ces occupations. Donc, chaque cantine est recouvrée au prorata des délibérations concernant le marché Sereng-Sereng et le marché Wokam. Il y a un autre pôle aussi qui se charge des stationnements interdits par l'application des sabots, donc qui se charge un peu de la correction sur les occupations anarchiques temporaires. Donc pour les autres occupations fixes qui sont assimilables à des fourrières aussi, donc on s'en occupe avec un pôle spécifique qui se charge de fourrières et des hippomobiles. Parlant d'hippomobiles, on parle souvent des charrettes et maintenant avec la nouvelle adaptation avec les tricycles qui sont une nouvelle activité qu'on est en train de régulariser. Il y a aussi les pousses de café qu'on appelle communément aussi qui sont taxés et recouvrés spécifiquement aussi par un pôle. Donc hormis cela aussi, il y a un pôle sur les déchargements. Les déchargements c'est une occupation aussi temporaire de la voie publique. Ce sont les conteneurs que vous voyez qui entrent dans la commune pour faire des déchargements, les camionnettes, toujours usage commercial, les tricycles, les camionnettes, tout ça, d'habitude sur les marchés et les artères. Donc, tous ces équipes-là, donc, on travaille sur tout le territoire communal, allant de Sacré-Cœur 3 jusqu'à entrer Ngor selon le découpage foncier. Et toutes ces équipes sont organisées à travers un budget qu'on nous a alloué et qu'on travaille sur les objectifs. On injoncte les opérations qui sont toujours taxées en fonction des objectifs. Et on est chargé de faire toute cette mobilisation côté recette, accompagner la commune et le maire à travers ces réalisations et bâtir toutes ces actions à travers la politique qu'il a déclinée. Donc c'est ça de manière générale le bureau des recettes dans le département financier. Parlant dans le contexte des réalisations du maire, avec l'ouverture de la nouvelle route Djaraf-Djibril-Gueye qui vient d'être butinée, donc sur le plan du logistique aussi, on vient d'être doté par le maire d'un important lot de logistique constitué de sabots, de 40 sabots qui vont accompagner un peu la pratique de la circulation au niveau de cette rue qui vient d'être inaugurée. Donc on va appliquer les sabots pour un peu faire la correction ou bien l'organisation de cette circulation parce qu'on est en train de réfléchir et d'établir une nouvelle circulation qui va bientôt être mise en œuvre. Donc c'est l'occasion maintenant de remercier le maire et d'encore l'encourager sur il nous accompagne sur les fonctions assignées sur le plan logistique. Donc c'est un bon point à souligner. Donc on est encore là pour l'accompagner vraiment dans l'objectif de la valorisation de ça.
D'abord les chalatiers donnent bien à une.